le GAL, c'est la vague d'attentats la plus sanglante qu'on ait sur le territoire français depuis la guerre d'Algérie. C'est quelque chose qu'au Pays Basque, on le sait. En revanche, dans le reste de la France, c'est quelque chose qui est complètement ignoré. Bruno Fay, Euskal Herrian bizi den kazetaria da. Gala uziari buruzko ikerketa dokumentala egin du. Berarekin mintzatu da sustraiko lina, eta jarraian elkarrezketako pasarte labur batzuk izango dituzue. Elkarrezketa osoa sarean duzue irakurgai. J'ai vu une des victimes, je pense qu'il était à moitié sur le trottoir avec la moitié du corps dedans. Le GAL, les gens connaissent pas à Paris, c'est très peu connu. Ça n'a pas marqué les esprits comme d'autres attentats. Et pourtant, il y a eu 27 morts, plus d'une quarantaine d'attentats, et tout ça en 2 ans et demi. Donc ça a été quelque chose de très violent, mais qui n'a pas fait beaucoup parler. Alors qu'à l'époque, il y avait la volonté politique de Paris, encore aujourd'hui d'ailleurs, de ne pas médiatiser le Pays Basque, le conflit au Pays Basque. Moi, je dirais que c'est un silence cynique. C'est plus ça que je qualifierais. C'est plus le cynisme. Au nom de la raison d'État, c'est-à-dire protéger les intérêts de l'Espagne et éviter que l'Espagne s'effondre, que la démocratie s'effondre, on a préféré laisser faire. Laisser faire l'État espagnol. La France a poursuivi, elle avait des équipes de policiers et de magistrats qui étaient vraiment déterminés, qui sont sincèrement engagés dans la lutte contre le GAL. C'est-à-dire qu'il fallait arrêter les tueurs, les mercenaires, mais c'est vrai que la France n'a pas voulu remonter plus haut, n'a pas cherché à remonter plus haut, parce qu'elle ne voulait pas mettre l'embarras du gouvernement espagnol derrière. Maintenant, la France a compris, toute seule, petit à petit, que si, Madrid était derrière. Pasqua, il arrive en France en 86, en mars 86, et à ce moment-là, il faut aussi se remettre dans le contexte, il y a plein d'attentats en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le GAL. Il y a les attentats, il y a une série d'attentats islamistes à Paris à ce moment-là. Il y a également Action Directe encore, si je ne me trompe pas, qui est encore en fonction, les attentats arméniens. Enfin, on est dans un climat, il y a plein d'attentats. Et la droite arrive au pouvoir avec ce mot fort, et Charles Pasqua le disait, il l'a incarné avec une phrase célèbre, c'était « nous allons terroriser les terroristes ». Et il dit quelque chose comme « il est intolérable au sujet du GAL » qu'un État étranger vienne régler ses comptes sur le territoire français. Entre les lignes, Madrid comprend très bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il est prêt publiquement à dénoncer le rôle de Madrid dans le GAL. Et c'est de là que tout s'enchaîne. À partir de ce moment-là, Pasqua dit en privé, voilà, moi je suis prêt à aller au clash, donc maintenant, vous arrêtez le GAL, je veux pas savoir, je veux plus rien savoir, vous arrêtez tout. Et effectivement, Madrid, à ce moment-là, comprend que le GAL devient plus un problème qu'autre chose dans les relations franco-espagnoles et décide de mettre un terme au GAL.